Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'album d'autocollants de chez Carrefour avec, et je vais ouvrir aussi plein d'autocollants, plein de paquets, parce que là en ce moment il y a une super offre. On est allé donc il y a 2 jours, donc le 13 janvier. Et donc normalement les autocollants, là, les pochettes avec 3 autocollants dedans, ils sont à 50 centimes, comme vous pouvez le voir là. Et bien voilà. Donc les pochettes d'ailleurs, elles sont comme ça. Désolé d'avance pour le bruit, donc il y a Chi, un de mes chats, qui a décidé que c'était le bon moment pour jouer partout et courir partout en hurlant. Et il y a des travaux partout, il y a des travaux à côté aussi, chez les voisins. Donc je suis désolée. Donc ce que je disais, c'était que normalement les paquets avec 3 autocollants dedans sont à 50 centimes. Et l'album normalement est à 2,90. Et du coup là en ce moment, ils font les 10 pochettes pour 1,50 €. Donc pour le prix de 3 pochettes, vous en avez 10. Et avec l'album, donc pour 5 € vous avez l'album et 25 pochettes. Donc du coup j'ai pris 45 pochettes pour essayer d'en avoir un peu plus que les 120 autocollants à collectionner. On sait jamais si j'arrive à tous les ouvrir, à tous les avoir, ça serait sympa. Je sais plus ce que j'allais dire. Et oui, et à la fin, je couperai, je mettrai, je les collerai et je vous montrerai tous ceux que j'ai dans l'album directement. Je vais vous montrer déjà l'album vide. Moi, j'ai pas trop regardé encore d'ailleurs. J'ai juste vu tout ce que j'ai vu de cet album, c'est que j'ai vu Petit Quick ouvrir les autocollants justement. Donc j'ai quand même vu les différents autocollants qui existent. Donc voilà, il y a des images. C'est pas très bien cadré, je suis désolée, je vous montrerai mieux quand il y aura les autocollants dedans. Là, du coup, je fais vite fait. Hop. Beaucoup beaucoup de pages voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'autocollants forcément, voilà 120 et après apparemment il y a un jeu de société dans la pochette derrière, donc voilà, donc c'est vraiment sympa et j'avais déjà eu envie de les acheter à la base, mais le prix, bah, c'était pas trop cher, mais on savait pas trop, je pouvais pas trop m'en prendre et tout ça, donc on avait hésité, au final on les avait pas pris. Et du coup là, je suis bien contente parce qu'avec cette offre-là, ça vaut vraiment le coup, forcément. Et du coup, donc ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais en ouvrir un là de suite en vidéo. Et après, je vous ai montré les autocollants. Je vais couper et tous les découper, et comme ça ira plus vite pour les ouvrir parce qu'il y en a quand même un petit peu. Ah oui, et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est vrai, je viens de me rappeler, c'est que ça se peut que je découperai la vidéo en deux si elle est trop longue, si c'est vraiment trop long, je découperai en deux. Donc, premier autocollant qu'on a, c'est donc de Ratatouille, c'est Rémi numéro 85. Ensuite, on a Woody et... Mince, comment il s'appelle le cheval? C'est pile poil, il me semble. 73. Et Minnie, le numéro 1. Voilà. Les 3 autocollants qu'on a eu. Et du coup, je vais couper, je vais tout découper et je reviens. Voilà, donc j'ai tout ouvert. Et je confirme que c'est bien pile poil, hein, Zachary me l'a confirmé du coup. Et du coup, c'est parti pour les ouvrir. Ah oui. Alors, ça c'est nouveau genre d'autocollant, où en fait avec la chaleur, donc en frottant,
il y a l'image qui apparaît. Je trouve ça vachement sympa. Alors je pense qu'en faisant comme ça aussi, ouais voilà, en mettant ma main chaude dessus, voilà, on a des îles qui apparaît. C'est vachement sympa. Le numéro 11, ensuite on a joie de vice versa. Et on a Maui de Vaiana. Avec poids en bas. Ah oui, j'ai pas montré les numéros aussi. 109 et 101. Je sais pas trop si je dois montrer les numéros ou pas. De toute façon, je pense que vous les verrez quand, je veux dire, quand ils seront collés à la fin. Qu'on a. Par si vous voulez le savoir, je sais pas. Après, ça prend pas tant de temps que ça. Je suis en train de papoter pendant 3 plombes du coup. Donc on a Tiana. C'en est un qui se découpe. Alors ça c'est dans Zootopie, mais alors pour savoir lequel c'est le chef des policiers, mais après voilà. Donc, et ça c'est peur de vice versa. Voilà. Bon, j'ai pas vu Coco, donc je ne sais pas le nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Diego, peut-être. Je me semble qu'il y en avait un qui s'appelait Diego. Alors, on a les pieds de Jasmine et les pieds, je pense, de Mulan. Et bien, hop. Ah, encore un avec la chaleur. Donc, c'est dans Ratatouille. Donc, je dirais que c'est Rémi. Logiquement. Ouais. Ouais, c'est marrant comme principe. Donc. Ensuite, Mini et Elsa. Ils redeviennent noirs assez rapidement. Je pense que vous le voyez à côté là. Ah, bah encore un. La Reine des Neiges. Donc il y a Olaf en bas et Marshmallow. Oh. Zazu du Roi Lion et Pomba du Roi Lion. Et ouais, c'est vraiment sympa cet album là. Moi j'adore les autocollants de toute façon. D'ailleurs, du coup, vous aurez aussi des autocollants la semaine prochaine. La deuxième vidéo de MLP. La belle, là c'est une voiture d'un Cars, je ne sais pas du tout laquelle, je ne regarde pas, j'ai jamais vu les Cars, donc je ne sais pas, et hop, encore Ratatouille, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai vu le film, mais je ne sais plus, les noms et moi ça fait deux, on a Donald, alors les trucs plus connus, Bayonne, non, je crois qu'il s'appelle, hein. La robe de Cendrillon, pour l'instant je me suis j'allais dire la mauvaise phrase et du coup voilà ça m'a porté poisse, j'allais dire pour l'instant on n'a pas de double, voilà, vous voyez ça porte la poisse de dire ça, donc voilà on a le premier double avec ah bah tiens tout le paquet c'est des doubles. Donc je ne devrais rien dire. Alors on a Blanche-Neige, le haut de Blanche-Neige. Encore une voiture de Cars et encore une voiture. Lui, je crois que c'est Martin. Hein. C'est le seul, je crois, que je connais. Il semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis pas sûr du tout. Hein. Anna et Elsa. Julie Hobbs. Donc un truc où ça découpe. Dory et. Comment il s'appelle le père de Nemo déjà? Marlin, c'est pas ça? J'ai un doute. On fait ça. Hop, le bas de la robe de Cendrillon qu'on avait déjà. Des voitures d'un Cars. Hop. Comment il s'appelle? Dans Utopie. Ah, Flash. Ça, hein. Oups. Olaf.
Et la grand-mère de Vaiana. Ah, on fait ça. D'accord. Vaiana et Pois et Oh. Oh, ça. Je sais plus. Ok. Monsieur Indestructible. Simba. Et je crois que ça c'est l'autre côté du truc de Cars. Ouais, je crois. Ouais. Quoi, on dirait vachement. Rafiki. Ah tiens. Oh. Ça c'est très bien, on en a eu 4. La Belle au Bois Dormant, Aurore, Zootopie, donc le lion, le maire, et le truc dans Cars, avec une étoile. Je sais pas si c'est parce que c'est une étoile et que du coup c'est spécial que j'en ai 4, mais c'est le premier, hein, tous les autres, il n'y en a pas 4. Je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, moi, je vais pas me plaindre, hein, d'en avoir un de plus, forcément. C'est logique. Alors, Linguini, il me semble, dans Ratatouille. Là, on a une partie de Maui et Pois et le coq, là. Il me semble que c'est Oh-Oh. Bailey. Ouais, c'est ça, c'est Bailey. Voilà. Ah, encore un. Chaleur, mais de quel film c'est ça? Je ne sais pas. Si c'est le. Ça se peut que c'est le monde de Dory, même si je connais Bailey, mais ça c'est parce que je l'ai vu dans d'autres vidéos, quelqu'un qui m'en parlait. Bah, petit quick encore. Bah, j'arrive rien à dire. À rien dire là. Mais si c'est là-dedans, je sais pas. Hein. Parce que je l'ai pas vu. Encore Rafiki. Et Sven dans La Reine des Neiges. Hop, ça c'est Ratatouille, c'est le critique. Le critique culinaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mini, on l'a déjà eu. Ah, ça c'est un des côtés avec Linguini. Ratatouille, un poil. Ah, encore Coco. Et Coco encore, et le haut de Bailey. Un avec les fées que j'avais adoré. Ok, et là je me suis fait arnaquer. Oh, ok. Ils se sont un petit peu ratés là, donc bon, du coup, ça au final ça s'annule avec l'autre que j'en ai eu 4, mais ouais, bizarre. Donc, oui, un avec les fées bulles là, comme dans ma vidéo de Panini My Little Pony. D'ailleurs, je mettrai un lien en fiche I et dans la barre de description si vous voulez voir, si les autocollants Panini ça vous intéresse. Ça peut être sympa, mais ouais, j'adore cet effet. Mais là, du coup, on s'est fait arnaquer. Je préférais dans l'autre sens, hein, d'en avoir moins. Alors, Ratatouille, Gusto. Les pieds. Un squelette dans Coco. Ça c'est encore la nageoire de Bailey. Sûrement dans le monde de Dory ou Nemo. Je ne sais pas. Une étoile et Dingo. Et le mouton dans Zootopie. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Encore Flash McQueen avec les fées. On a Elsa et encore Flash McQueen, mais en gros plan. Et avec le découpage, je crois, juste autour des yeux. Hop. On avance, on avance. Donc Rémi, ça je l'avais déjà. On a le petit dans les Indestructibles, je sais plus comment il s'appelle. Et on a Olaf qu'on avait déjà. Je sais pas si je m'arrête déjà pour peut-être faire une deuxième partie. Anna et Elsa. Oups.
Celui-là, on l'a déjà eu, hein, une partie de 15 encore. Et le bas des pieds de Sven et Christophe, et il y a Olaf dessus aussi. Et voilà, je ne sais pas vraiment, je vais encore avancer un petit peu. Mais je pense que oui, que je vais le faire en deux parties. Encore un avec la chaleur, mais de 15. Voilà, voiture jaune. Ah, Rafiki, je crois qu'on l'a trois fois pour l'instant, lui, Sven, on l'a déjà. Ah, lui, on l'a déjà. Les Otari. Ah, le haut de Mulan, bien, complété. Ah, l'autre côté du truc avec Woody et pile poil, donc il y a Jessie. Ça, c'est sympa. Hop, ah, le haut de Blanche-Neige encore. Mickey, encore Cars, le côté, hop. Et oui, Rafiki, ah bah encore 4, tiens, Rafiki on l'a plein de fois, Zazu, j'avais déjà, ah, le côté de Maui, ouais, pas, et des pieds de squelette que je pense que j'avais déjà, mais ouais, encore 4. C'est sympa quand c'est dans ce sens là. Ah, Flash, on l'a déjà. Celui-là aussi, on l'a déjà. Et celui-là aussi, on l'a déjà. Celui-là, il était pas terrible, forcément. Hop, Monsieur Indestructible qu'on a déjà, Simba qu'on a déjà, et Dory et l'étoile, je sais plus si celui-là on l'a. Celui-là je trouve qu'il a l'air gros. Non, bon. Donc Rémi, celui-là on l'a. Ah, je savais pas qu'il était en 3, donc le ventre de Bailey. Encore Linguini au milieu, hop. Ouais. L'arrêt, ça on l'avait déjà. L'alien et Monsieur Patate. Et Mickey, qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Donald, on a déjà. Anna. Ça on l'avait pas. Ah. Tristesse de Vice Versa. Alors. Ouais, au final, ça va, c'est vite. Je pense que je vais tout enchaîner en une vidéo. Ou alors je découperai en deux vidéos, ça sera plus difficile pour moi. Mais bon, là du coup, c'était des trois qu'on avait déjà eu. Hop. Ça sera plus difficile pour moi si je dois couper, mais bon. J'ai juste pas envie de m'arrêter. Bailey. Et ouais, ces trois-là, on les avait, ouais. De Ratatouille, et de Coco, et de Monde de Dory. Ouais, je le vois d'ailleurs. Ah, on va voir Flash McQueen avec les fées. Un bulle. On a Elsa et Joie. On les avait déjà tous. Hop. Flash encore. Encore Dory et ben c'est exactement le même à chaque fois. Je crois que c'est la troisième fois qu'on a exactement ce booster là. Donc ça, on n'a pas. Dégoût de Vice Versa. Le léopard ou guépard, je sais pas. Deux Utopies. La tête de Linguini. Donc ça, on les avait pas. Ah, c'est la première fois qu'on a Ariel, je crois. Hein. J'adore Ariel. Ça, on les a, les pieds de Tiana. Oula. Je sais plus si... Hop. Lui, on l'a déjà. Monsieur Patate en gros plan, on l'avait pas. Ça, on l'avait, le truc de Cars avec l'étoile. Je sais pas si je vais te montrer, mais... Peut-être des fois j'ai tendance à mettre le doigt devant. Après je sais pas si les numéros vous intéressent ou pas. Mais je me suis dit que ça allait... Ah, le troisième de Linguini avec les poils dans la main. Et ça c'est le troisième avec Maui. Ça c'est sympa, je crois qu'on l'a complété celui-là. Alors, Woody, ça n'en est pas, Tristesse, on l'avait, et Judy Hopps, on l'avait. Hop, et le dernier paquet, on a Aurore,
avec les bulles. Le père de Vaiana, non? Je crois. Et joie, la tête de joie de vice-versa. Donc non, je pense pas qu'on les ait tous, hein. Oui, c'est sûr qu'il m'en manque. Donc je vais voir combien il m'en manque. Donc maintenant, je vais couper. Ensuite, je vais trier tout ça et coller. Et puis je reviens pour montrer l'album avec les trucs collés dedans. Voilà, donc on se retrouve pour regarder tous les autocollants que j'ai collés. Donc on se retrouve un autre jour d'ailleurs, parce que j'ai pas pu finir le même jour parce qu'il faisait vraiment trop sombre et j'ai même pas fini de coller les autocollants de fuite parce que j'avais d'autres vidéos à filmer et que je perdais de la luminosité très très rapidement. Donc du coup, j'ai un tas de doubles comme ça. J'ai pas mal de doubles. Et donc, et j'ai pas mal complété l'album. Ici, on a Mini. Ensuite, donc, dans la page du Roi Lion, là, il nous en manque un. Il m'en manque un, là, Sarabi. C'est tout. Sinon, je les ai tous. Ici, alors, ah oui. Hop, j'ai oublié de sortir cela parce que j'en ai d'autres. Hop, j'en ai que j'ai pas collé. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais moi, tant que je n'ai pas les deux parties d'un puzzle comme ça, je ne colle pas. Et je garde tous ceux que j'ai pour être sûr de bien les associer parce que des fois ils vont pas très bien ensemble, ils sont pas découpés exactement pareil. Et du coup, voilà. Donc celui-là je l'ai, hein. C'est bien celui-là, ouais, le 9, je l'ai. Mais j'ai pas le 8, donc du coup je ne l'ai pas collé. Et pareil pour ici, j'ai le 11, mais j'ai pas le 10, donc du coup je ne le colle pas. Ensuite, donc ici, il nous manque le 13. Là, il en manque pas mal. Mais c'est comme l'autre, hein. J'ai les pieds de Cendrillon, mais je ne l'ai pas collé. J'ai les pieds de Tiana, mais je n'ai pas collé. Donc, Cendrillon et Tiana ici. Donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de choses ici. Donc, il en manque pas mal. Ici ensuite, Jasmine, pareil. Il manque ses pieds. Ou j'ai ses pieds, il manque le haut plutôt. Mulan, j'avais le entier, donc ça c'est bien. Et on a ensuite encore Blanche-Neige ici. Que j'ai juste le haut et qui me manque le bas. Et ouais, je suis assez perfectionniste sur ça, donc du coup je veux que ça soit le plus parfait possible. Cette page de Cars, elle est complète. Cette page de Cars n'est pas tout à fait complète. Il en manque deux ici. Un puzzle, mais là j'en ai pas. Ensuite, là, elle est quasiment complète, la page. Donc là, bah, il manque le puzzle en haut et j'ai le bas. Il manque le haut. J'en ai deux. Hop. Ensuite, il manque les têtes, hein. D'ailleurs, je disais Hector, mais je me suis trompée, vu que je connais pas les. Je suis quasiment sûre que j'avais dit Hector, hein, quand j'ai essayé Miguel. Là, il y a le puzzle du squelette de Hector, du coup. Et j'ai ses pieds et sa tête, mais j'ai pas le milieu. Du coup, je peux pas le coller. Ou je ne veux pas le coller. Tout ça. Hop. Alors, Nemo. Donc un là-haut. Ici. Bailey, j'ai réussi à avoir les trois, donc c'est sympa. Ici, il y en a plusieurs. Et ce puzzle, donc j'ai celui-là et celui-là.
mais j'ai pas les autres. Voilà. Ensuite, ratatouille. Je les ai quasiment tous. On dirait que je les ai tous, mais il manque ici sa tête. Augusto. Ensuite, Zootopie. Là, il me manque Mr. Big. Là, il y en a. Il m'en manque plusieurs. Vice-versa. Il me manque juste Colère. Les instructeurs. Indestructible. Là, il me manque plusieurs aussi. Et voilà, ça c'est la fin de l'album. Donc j'ai quand même pas mal complété. Je pense que du coup je vais racheter quelques autocollants pour essayer de compléter l'album. Je verrai si j'y arrive ou pas. Mais voilà. Je sais pas si vous voulez que je passe vite fait en revue les doubles que j'ai. Voilà, je passe vraiment vite fait. Les doubles, j'ai pas mal de doubles. Voilà. Voilà. Je crois qu'il était en vert, ouais. C'était du 1 au. Hop. Voilà. Ça, ouais, que je n'ai pas collé, mais que j'attends. Je sais plus, j'avais compté combien il m'en manquait, mais là du coup j'ai oublié, vu que ça fait plusieurs jours que j'avais filmé le début. Du coup, je mettrai une annotation pour dire combien il m'en manque. Et du coup, il y aura une deuxième vidéo ou troisième en fonction de si je coupe cette vidéo en deux ou pas. Donc voilà, et on verra bien. Mais oui, il y aura une suite vu que je veux essayer de compléter l'album. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Tiziriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!